Alors bonsoir, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Niels Rosley-Christ, 29 ans, député au Grand Conseil Neuchâtelois et puis vice-président des jeunes UDC du canton de Neuchâtel. Voilà. Mein Name ist Matthias Müller, ich bin 26, komme aus dem Kanton Aargau, doktoriere an der Universität Zürich und politisch bin ich bei den Jungfreisinnigen daheim, dort bin ich Vizepräsident. Volontiers, alors je m'appelle Margot Duby, j'ai 24 ans, je suis étudiante à l'Université à Berne et actuellement je suis députée au Grand Conseil du canton du Valais. Also ich bin Astrid Kreist, bin 22 und ich bin in der jungen BDP im Vorstand Kanton Bern und bin auch im Jugendparlament Kanton Bern. Qu'aimeriez-vous atteindre de votre carrière politique? Bien, tout d'abord, j'aimerais réussir mon premier mandat, apprendre le maximum que je peux et puis pour la suite, ben, je verrai. Es wäre natürlich schön, wenn man mal in einer Position ist, wo man auch tatsächlich etwas verändern kann. C'est difficile à dire. Aller le plus loin possible et toujours défendre, bien entendu, mes convictions pendant ce parcours-là. Voilà. Ich wollte erreichen, dass die Generationen zusammen können schaffen. Qui est votre idole politique? Alors, mon idole politique, c'est avant tout Matthias Reynard, parce que je pense qu'il a, par sa jeunesse et par sa fougue ou son éloquence, en fait, eh ben, il inspire beaucoup de monde et beaucoup de personnes. Et moi, il m'a inspiré. Mein Vater. C'est pas des idoles. Il y en a plusieurs, j'en sais rien. Voilà, je sais pas. En tête comme ça, je saurais pas trop dire. Alors, on va dire si. En musique, par exemple, c'est Meatloaf, j'aime bien. Politisch gesehen oder allgemein? Wie der Vater. Ist noch schwierig, da wäre ein paar. Aber. Entscheid dich auf eins. Ich kann mich gar nicht entscheiden, das ist noch schwierig. Que faites-vous généralement le samedi soir? Le samedi soir, des fois je sors avec des amis ou alors je regarde des films. Ja, einfach Zeit am Genießen zusammen, das ist auch wichtig. Oder? Familie ist zu zahlen. L'apéro? Dann bin ich am Studieren, sprich, ich bin gerade an meiner Dissertation dran. Und da ist ganz viel Literatur, die ich noch durchlesen muss. Wenn du dich müsstest entscheiden, möchtest du lieber die Frisur von Erich Hess oder den englischen Akzent von Magdalena Martulla Bloch? Dann nehme ich lieber den englischen Akzent. Also das ist, glaube ich, aus der Debatte. Alors ni l'un ni l'autre ne me dit ne me sonne. Der englische Akzent von der Martulla Blocher. Alors là, l'un comme l'autre, c'est un peu difficile parce que c'est pas super avenant. On va dire peut-être la coupe AS, c'est un peu moins difficile, j'en sais. Möchtest du lieber die Kifferlunge von Cedric Wermuth oder die Französischkenntnisse von Johann Schneider-Ammann? Da sekundiere ich natürlich den Schneider-Ammann. Peut-être laisser les poumons de Cedric Wermuth? Kifferlunge wollte ich nicht, also ganz klar Französischkenntnisse von Johann Schneider-Ammann. Ah, ouais, là on va plutôt parler en français comme Johann Schneider-Ammann, parce qu'au moins rire, c'est bon pour la santé. Hein? Merci beaucoup.